C'est moi le king bon de jambon. D'envie, j'adore le McDo. Mais j'aime aussi beaucoup la bouffe mexicaine. Donc je me suis toujours demandé, ça donnerait quoi un burritos avec tout le menu McDo dedans? Hey, qu'est-ce que tu fais dans mon lit là? Gros, t'as un fer à repasser. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait? Okay. On fait un burrito, man. Viens, t'as Gu. On s'en va chez le McDo. Ok. Fait que là, Gu, quand on fait des choses épiques, on le filme. Je suis vraiment populaire, j'ai des abonnés. Ah oh, ouais? C'est bizarre parce qu'il y a une caméra, mais il y a du monde derrière la caméra. Sérieux? Je suis vraiment populaire. Oh. Le petit gars, il arrête pas de m'appeler Gu. C'est quoi son problème? On se connaît pas. Tu veux-tu t'essayer? Ben ouais, pourquoi pas. Sente-toi un peu plus. Ok. Dans le fond, moi et mon équipe, on a juste pris la responsabilité d'apprendre à Gu comment faire des vidéos. Il a l'air smart. Fait que là, faut demander aux gens de... S'il vous plaît. Plus de... Un peu plus d'énergie. Genre. Regarde la caméra, tu t'oublies pas, T'sais, il y a du monde qui t'écoute là en ce moment. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un burrito McDo. On a décidé de combiner non, tout non, le non, menu. Non, 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 plus de... Ok. Le gars, il essaie de m'apprendre comment parler devant une caméra. Ça fait 8 ans que je fais des vidéos. Tabarnak! Non! Fait qu'aujourd'hui, on va combiner tout le menu McDo dans un seul burrito qui va nous réduire notre espérance de vie d'au moins un an. On risque d'avoir au moins 10, 20, 30 000 calories, diabète, puis du cholestérol. Mais c'est pour ça qu'on vit, hein? Ouais. C'est ça? Hey, c'est bien bon, man. Tabarnak, Gu! Fucking bon, hein? Gu. Me semble que c'est accrochant. En plus, c'est une belle moustache. Fait que là, dans le fond, ce qu'on fait, là, c'est qu'on va assembler ça, puis après ça, on va goûter. Fait que là, on pourrait dire qu'on est en train de détendre la sauce pour bien tapisser le fond de notre burrito. C'est ça? Ouais! Il devrait peut-être commencer une chaîne YouTube. Il l'a! La moustache, man! Tu l'as, man. Alors, c'est l'expérience. L'expérience de quoi, ouais, j'ai déjà travaillé au McDo dans ma jeunesse, c'est pour ça. Moi, tout, Tim Hortons, parce que c'est. Au Tim, des fois, ce que je faisais, dans le fond, c'est que j'allais dans le backstore, j'allais dans le congélateur, puis je mangeais les Timbits congelés de moi-même. Puis genre, je le dis à personne. Fait que là, les gars, ce qui se passe, c'est qu'on le dompe dans le burrito, on fait un peu n'importe quoi. Croquette. N'importe quoi. Ah, c'est un déjeuner. Eh ouais, regarde, il y a l'œuf, la saucisse. On a dit qu'on avait tout le menu. C'est bizarre, man, c'est juste une caméra. C'est juste une caméra. Sérieux? C'est tellement bizarre. Un foutu mat par-dessus, man. Une poutine, hein, pour représenter le Québec. Poutine, c'est des frites. Non, penche plus. Poutine, c'est des frites, du fromage, de la sauce. Faut que tu leur montres que c'est vrai. C'est bon. Prends ça, merde. Tu vois, par exemple, Gu, ça avait été juste de nous, on l'aurait mis peut-être un peu plus mieux placé, tu sais. Ouais. À force de faire des gros burritos de même, c'est pas le truc, mais facile, c'est pas tout ça. Le fromage, c'est sur le top, tu le mets à côté, voilà. Qui dit crêpe, dit... C'est bien! Ça vient tout scraper, hein? Ça vient tout faire bon. Là, c'est quoi tu dirais? Je dirais que là, maintenant, on va le rouler et créer notre burrito. Pas de même, je l'aurais dit. Pas de même. Pourquoi t'as changé ton accent quand t'as dit burrito? Yo, il me semble que c'est bizarre, là, d'avoir un accent quand tu dis des mots mexicains. Explique encore. Ok, c'est un sandwich avec des tortillas. Tortilla. J'ai bien aimé le petit accent que t'as mis à tortilla. Merci. Faut que tu t'assures de mettre un accent. Au début, il aime pas ma prononciation de burrito. Après, il aime tortilla. Ça fait aucun sens. Ok, Chagu, vu que t'as pas fait grand chose là-dessus, tu peux le plier. Ok, mais ça se peut que je le rate parce que tu sais, vous avez. Non. Tu l'as dit toi, t'as de l'expérience à mon nez. Exact. C'est vrai qu'on fait ça au McDo, hein, des burritos de même. Je commence vraiment à l'aimer, man, des cheveux longs. Les short boys, j'ai des noirs comme moi. La moustache, le sourire. Wow. Regarde-moi ça! Bah, c'est bon, man, les boys. Yo, fils, il est tellement gossant, man. Je lui ai dit de mettre plus de margarine pour couvrir les trous, man. Il l'a même pas. Plus dur. Ça se fout-tu, moi? Je pense que j'ai les impressionné. Les trous, je les direct cover. Y'a plus de trous. J'ai tout recollé. C'était chicken, man. T'es sûr que c'est une bonne idée de faire ça, là? T'as-tu une meilleure idée, Guy? On pourrait, tu sais, le mettre dans le four, puis ça fondrait, ça se solidifierait. C'est parce que le four, il est là. L'angle de caméra est là, on le voit pas dans l'angle de caméra. Là, le burrito, il est fucking
toxique. Pour vrai, c'est dégueulasse. Ça devrait même pas s'appeler un burrito, c'est un tas. J'ai fucking faim, man. Burrito, y'aura tel éclat. Oh, quand on a fermé le tortilla, man, c'était tellement doux, ça ressemblait au pot de fesse de GNT. Je le coupe comme ça? Ouais. Ok. Ligne droite, là. Ok, je vais essayer de bien faire ça. Bonne fête, Gugu. Ma fête, c'est le 22 mai. C'est mis à couper le burrito, ça. J'ai chanté bonne fête. Fait que voici notre magnifique burrito au McDo. C'est beau quand même. Ben c'est beau, hein? Ben ouais. C'est juste du McDo. Moi, j'ai mangé un fœtus de canard. Fait que, avez-vous faim, gars? T'as-tu faim, ouais. Ouais. That's what you get, hein? When you eat, you're hungry. Je viens de prendre du bacon! Maman! Moi, la seule chose, là, c'est le sirop. Ouais, le sirop de. Peut-être pas nécessaire. Non, tabarnak, tant que c'est bon dans l'œil, merci, boire. T'aimes-tu les cornichons? Ouais. Les cornichons, man. Aucune chance qu'il y ait YouTube, finalement, ce petit colon. T'as pas le droit de manger des cornichons. Yo, c'est de la poutine, ça? Une petite croquette ici. Bien croustillante encore, hein. Une petite McNug, hein? My man! On aimerait ça te chanter une tune, genre. Ok. Là, c'est ça, c'est hors vidéo. Là. Dans le fond, lui, il aime vraiment la musique et il veut percer. Ok. Ça te dérange-tu? Je prends un peu de ton temps. Tu veux me chanter une tune? Ouais, c'est ça. On aime ça avoir l'opinion des gens, là, parce qu'ils sont en bon. Ben, parfait. Mm-hmm. Attends, vous faites ça, là, genre. Ouais. C'est moi le King Bandel en bon. Moi, King Bandel passe bon. Moi, King Bandel wannabe. Il chantait de quoi? C'est moi le king ou de quoi de même? Tout le monde sait que c'est moi le king. Faites-moi pas chier, je veux jouer au hockey. C'est moi qui vais scorer à la fin. C'est tout comme ça. Oui, mes petits Chris. Yeah. Yep. Shit. Oh. Non, c'est non. Le fucking dit, man. Non, non, c'est. Tes amis, man. Tu les invites toujours ici. Ils c'est toujours juste le beat. Moi, c'est juste le beat. Coach Chris m'avait dit que j'étais bon. Fait que, ben, c'est pas mal ça. T'as trouvé ça comment de filmer une vidéo? C'était vraiment agréable. Vous m'avez bien accueilli. Puis, vous avez été patient avec moi qui commence. Hein? Mm. On commence quelque part là, t'es bien entouré. Ouais. Des gens qui font des vidéos, tout. C'est ça, du monde famous. Fait que ce qui est important dans tout ce système québécois là, man, c'est les connexions. Mm. Ouais. Peut-être que tu connais nous, tu connais tout le monde. Okay. Ça là, tout ce qui manque, c'est dire les bye bye, man. Ça, j'en ai déjà vu des youtubeurs qui font ça. Ben, lui, t'as sûrement vu, c'est sûrement le meilleur. C'est lui qui dit c'est beau l'amour, man, c'est beau, puis ça finit. T'es pas encore le meilleur, tout, mais. Ouais. Merci d'avoir écouté, c'était votre ami Gu. C'est beau l'amour, mais les bananes, ça va pas. C'est beau l'amour, les bananes ça bourre. Pire fucking fin de vidéo que j'ai vu de ma vie. Ta gueule avec ta belle moustache.